Land of Confusion par Disturbed. Parce que ouais, voilà, c'est la confusion. Moi, je suis désolé, mais tout ça est très confus pour moi. Je ne sais plus, je perds mes repères, je perds toutes mes croyances, je ne sais plus où j'en suis. Alors bon, évidemment, là, vous savez que ça fait plusieurs mois que je me renseigne, que je lis des bouquins sur la banque, le prêt d'argent qui n'existe pas, la gigantesque pyramide de Ponzi. Alors une pyramide de Ponzi, c'est quand on vend des trucs à des gens dont ils n'ont pas besoin, et puis on espère qu'eux, ils vont le revendre à quelqu'un d'autre. C'est ça, une pyramide de Ponzi, c'est de la vente à la pyramide, quoi. Des fois, ça s'appelle en comptabilité de la cavalerie de traite. Ah oui, parce que voilà, j'ai un tel qui m'a signé une traite, c'est-à-dire qu'il va me payer dans 3 mois, et moi, la traite, je la donne à un autre mec, et lui, il me donne un truc comptant. Alors, on se repasse de l'argent qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore payé. Bon, bah, c'est ça, toute la monnaie du monde, il faut qu'on comprenne bien ça. Et les dollars, tous les euros, c'est ça, c'est de la dette. C'est une immense cavalerie de dettes. C'est-à-dire tous les billets, même les billets qu'on a dans la poche, c'est quelqu'un qui les a empruntés avant nous. Donc, ils n'ont aucune valeur. C'est pas de l'argent qui existe, c'est de l'argent futur. C'est de l'argent qui sera payé un jour quand celui qui doit le payer aura trouvé quelqu'un d'autre pour lui donner cet argent que cette personne-là aura elle-même. Emprunter, en fait, c'est un truc de fou. Alors, je sais pas comment on va sortir ça, de ça. On peut en sortir par un chaos généralisé, par le dollar qui se casse la figure, par l'euro qui perd de sa valeur ou qui explose, les monnaies nationales qui reviennent. Ou alors, on peut s'en sortir par des moyens plus démocratiques et surtout qui remettent la création monétaire dans un système beaucoup plus symétrique et surtout sans dette. Parce que bon, comme je vous en ai déjà parlé, la monnaie, c'est une comptabilité mutuelle. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir ce que je t'ai acheté, ce que tu m'as vendu. Donc on n'a pas besoin... la monnaie, c'est pas une richesse. Voilà, alors tout ça, c'est tellement confus. Alors vous, tu m'étonnes. Ça m'étonne pas que y ait un petit groupe de gens au sommet de la pyramide qui, eux, ont compris ça depuis des générations, qui se sont dit « Personne ne va rien comprendre, on va dire « Nous, on est la banque, c'est nous qui créons la monnaie, c'est nous qui donnons les crédits. » Et donc ces gens-là qui sont bien plus intelligents, enfin qui ont une intelligence beaucoup plus, je dirais pas machiavélique, non, mais beaucoup plus fine que la nôtre, bah, ils ont trouvé un système pour arnaquer tout le monde, quoi. C'est une escroquerie planétaire. L'autre jour, j'ai entendu sur Internet que Bernard Madoff, vous vous souvenez de Bernie Madoff, celui qui a été en prison parce qu'il a escroqué des milliers de milliardaires en leur promettant des taux d'intérêt mirifiques, alors qu'en fait, il leur versait des intérêts tous les mois, il leur versait des intérêts des nouveaux qui arrivaient pour lui déposer son argent. En fait, il faisait rien. Donc c'était une gigantesque pyramide de Ponzi. Regardez sur Internet, c'est bien expliqué. Eh bien, les banquiers internationaux qui ont compris ça il y a 200 ans, ils ont pris à leur monopole le monopole de la création monétaire. Et donc ils nous arnaquent tous depuis 200 ans. Et c'est pour ça qu'il y a des pauvres. Et c'est pour ça qu'on est tous en compétition pour essayer de remplir nos porte-monnaies en prenant... Je vais te prendre ton argent, je vais essayer... J'ai toujours envie de te vendre quelque chose. Parce que toi, t'as de l'argent et moi, j'en ai pas et moi, j'en veux. Il y a une compétition, il y a une concurrence extraordinaire à cause de la rareté de l'argent. Donc la solution, c'est le dividende universel. C'est-à-dire distribuer gratuitement de l'argent à tout le monde sans condition. Et évidemment, on reprend petit à petit le monopole de la création monétaire aux banques sous forme de dettes. Bon, plus là-dessus bientôt. Ciao, ciao. Yahohoho.